Aïe, les Monaco descendent-ils d'une lingère de Constantine? Mylène, de l'info ou de l'intox? Sans hésitation, de l'intox. De l'intox. Et toi, David? De l'intox aussi. Ah bon? Ouais, ça me paraît trop gros, non. Toi, je peux le révéler maintenant, tu m'as dit que c'était de l'intox aussi. C'est-à-dire que c'est assez amusant, ma présence ici, née à Constantine, savoir que le sujet, relation avec Constantine, je sais pas. Tu penses qu'on l'a fait exprès? Ben, éventuellement. Bon, ben, on va savoir, on va écouter l'expert. À toi, Philippe. Eh bien, qu'un tonnerre d'applaudissements se fasse entendre jusqu'au rocher de Monaco, c'est de l'info. Ah là là! Eh oui! Attends. Mais vous êtes du même pays. C'est pas vrai, alors j'ai des chances alors. Mais t'as toutes tes chances, c'est pour ça qu'on t'a fait ça. Mais où les caméras? Mais oui, elles sont partout les caméras. Stéphanie, il y a quelque chose à faire tous les deux. On monte un business là-bas. C'est un grand moment. Un grand moment dans la vie de Smaïn. Eh oui. On se met sur le rocher, on vend les frites, allez. Ouais, enfin j'ai... Zéro partout. Alors, faut préciser aussi pourquoi la Constantine. On va savoir. Ah, on génial, repart ça. Chez notre expert, Philippe Guérin, on t'écoute. Ben oui, Thierry, c'est de l'info, et je crois que ça fait pas vraiment plaisir à la principauté de Monaco. On n'aime pas vraiment en parler, c'est totalement tabou. Pourtant, on voit bien les efforts que fait Stéphanie aujourd'hui pour suivre cette filiation de cette lingère de Constantine. Avec tous ces efforts en matière de mode, il y a une ligne de maillot de bain, une ligne de vêtements de cuir, une ligne de petites culottes, une ligne de chaussettes, une ligne de tout court. C'est fort, c'est fort. Hein, c'est bien. Vraiment, c'était inattendu. Alors maintenant, on va passer.